allez bien? Salut à tous les amis, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Regardez Mas. Là. Et qu'est-ce que t'as fait exactement? En fait, j'ai glissé de ma chaise et j'ai tapé la pointe de la table. Et après, la directrice, elle est venue, elle m'a dit ça va et elle m'a mis des glaçons sur la tête. Ah, c'était à l'école? Oui, quand? À la cantine. À la cantine? Le mardi. Oui, parce que c'est bien jaune. C'est bien jaune, voilà. Ah, parce que mamie, elle m'a mis la pommade. Ah, mamie, t'as mis la pommade. On dirait un bleu, mais... Ouais. Bon, voilà, les amis, là, c'est mercredi après-midi. Mas, elle a déjà fait les devoirs. Elle a fini les devoirs. Tout. Et voilà, on a fait faire, les amis, un petit tableau. Ouais. Bienvenue chez Massilia et Papa pour l'appartement, il vous allez très, voir. Très joli. Franchement, il est super sympa. Et voilà, là on est en train de finaliser, c'est pour ça qu'on est un petit peu moins présent. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti de vidéo sur Massilia Papa, tout ça. Voilà, on est occupé, il y a papy, mamie aussi. Beaucoup de choses à faire. On a tourné une vidéo, mais elle sortira ce week-end. Voilà pour Massilia Papa. Voilà, Kamkamos. Ça va? Oui. Oui? C'est quoi ça? C'est de l'eau ou une tache? C'est une non. tache? Non. Non? C'est de l'eau? Oui. Bon les amis, on est en train de goûter. Mamie, elle a fait des crêpes. Comme ça, comment ça s'appelle? Voilà mamie. Elle rigole parce qu'elle a dit, je ressemble à une dame qui fait le henné à Jamel Fna. Comment, la façon de... Voilà. Attention, moi ça aime bien faire les bêtises, mettre de l'eau partout. Et voilà papy aussi. Oui. Salut. Je prends la bouteille. Je prends la bouteille. Et voilà, on est en train de goûter. Maman, elle est où? Je sais pas. Maman, je crois, elle est dehors. Ah, elle est là, maman. Elle est là, maman. Les amis, on va sortir un petit peu. On laisse Kamkam. Elle regarde ce film-là, Katak. Je sais pas si vous connaissez. C'est avec le brave Beluga. C'est un genre de dauphin, de... C'est ça. Je sais pas ce que c'est exactement. Ça a l'air pas mal. C'est sur l'IPTV. Franchement, c'est bien l'IPTV. 40€ à l'année. Il y a plein de films, tout ça. Et voilà, Mas, ça va venir avec nous. On part avec papy. On va aller chercher du liquide, du truc pour la vaisselle, des pommes de terre. On va sortir un petit peu. Et voilà, faire quelques courses. Et on revient. Allez, petit tour à Hanout. Hein, Mas? Oui. Les œufs Beldi, les œufs normaux. C'est lesquels les meilleurs? Les œufs normaux. Eh non, c'est ceux-là. C'est ceux-là les meilleurs. C'est les œufs de la ferme. Ah, c'est les œufs de la ferme. Oui, c'est les œufs de la ferme. Ils sont blancs. Eh oui. Vous avez tout ici, vous venez ici, les amis, vous avez tout. Vous demandez ce que vous voulez, il y a. Bon, on va à la droguerie, les amis, avec papy, pour prendre du. Comment ça s'appelle? Mince, j'ai perdu le mot. Mas reste dans la voiture. Elle fait la tête un petit peu, Mas, parce qu'elle voulait prendre des chips. Je lui dis, si tu manges des chips maintenant, tu vas rien manger ce soir. Donc elle est pas contente, elle fait la tête. Elle me dit, oui, mais Kamkam, la dernière fois, elle a fait ça. Elle a eu des chips. Donc voilà. Et c'est quoi que de la pâte à fixe pour les tableaux, pour bien les plaquer? Parce que le cadre, il est un petit peu voilé. Donc voilà. On vient pour acheter ça et pour acheter des pommes de terre avec papy. Bon, c'est bon, ça nous a rejoint. On est à la droguerie. On achète, on peut acheter tous les outils, tous les petits trucs. Pas cher. Yeah. Tu veux aller chercher des chips? Il y a une boutique qui est juste à côté de là. Allez, viens, on va aller acheter un petit paquet. D'accord? Oui. Allez, vas-y, saute. Ah, Théo, là? Hein? D'accord. Non, laisse, je vais sauter. Non, tu vas te faire mal. Allez. Allez. Attends deux secondes, j'arrive. Allez, Mas, elle a eu ses petites chips. Et voilà. Là, ils mettent du pain par terre. Je sais pas pourquoi ils mettent du pain comme ça. Je crois qu'il y en a, ils viennent, ils le ramassent pour le donner aux animaux. Plutôt que le jeter, ils le mettent là et ils le donnent aux animaux. Et voilà, là on est dans un quartier près de l'aéroport. Voilà les amis, on arrive dans un petit marché. On est déjà venu avec Mas.
Oui, il y a tous les légumes, tout ça. Il y a une belle mosquée tout au fond. Quand j'ai besoin de quelque chose que je cherche, j'arrive pas à trouver un petit peu spécial, je viens dans ce quartier-là, il y a toutes les boutiques, ils ont tout. Comme là, la droguerie, tout ça, quand je cherche quelque chose, ils ont tout. Ou alors là, par exemple, je cherchais quelque chose, on s'est arrêté dans un petit hanout. La dame, hein, pour l'appartement, la dame, elle a dit, revenez demain, je vais le chercher. Essayez de vous le trouver, tout ça. En principe, ils font ça sérieusement, on revient le lendemain, ils nous ont trouvé. Ça, c'est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup par rapport à la France, ce genre de service. Ah, c'est Zouina. Il y a les cerises, les amis, au Maroc. Là-bas, si vous voyez là-bas, là, il y a déjà les cerises. Les pastèques aussi. Ils sont à 3 dirhams le kilo. Ça fait un peu moins de 30 centimes le kilo. Et franchement, on en a acheté une dernière fois avec papy. Elle est très, très, très bonne. Et je voulais vous donner aussi des nouvelles, les amis. Ah, ma maman, c'est la vue du chat. Des nouvelles de maman. Parce que vous l'avez vu vite fait tout à l'heure. Mais voilà, maman elle va mieux, elle va bien. Voilà, pour donner des nouvelles, elle avait des vertiges, elle avait comme des migraines, tout ça. Là elle va un petit peu mieux, mais aujourd'hui elle était fatiguée parce qu'elle est partie avec Mans pour voir le docteur pour les yeux, elle est partie au dentiste, etc. Ils ont un petit peu galéré toutes les deux. Et voilà, donc c'est pour ça, peut-être que vous verrez pas trop maman encore dans ce vlog là, mais Inch'Allah ça va, vous la verrez très vite dans les prochains vlogs. Ouais. Surtout qu'en plus, bientôt dans quelques jours, c'est son anniversaire. Hein? Oui, il faudra qu'on lui prépare et tout, on va lui faire une belle fête, elle va être contente. Inch'Allah. Voilà, et les vlogs en ce moment, vu qu'on est beaucoup sur l'appartement, qu'on le prépare, ouais. On est beaucoup occupé. Des vlogs un peu moins bien, je dirais, que d'habitude. Mais on va sortir, on va faire des choses un peu plus sympas dans les jours à venir. Inch'Allah. Ça fait. Regardez les amis, comme ça c'est bien. Les buggies comme ça là dans le désert d'Agafay, c'est magnifique. Un petit quad, mais ici c'est un endroit où ils réparent ces choses là. Regardez, petits buggy comme ça. Franchement, il y a des quads. C'est très très joli. Hein? Regardez, moi c'est pour faire une photo. Elle est montée dedans, dans le buggy. C'est bien. Tu peux en acheter un? Hein? Et les enfants ils peuvent en faire. En plus papa il aime beaucoup ça. Ouais. Je dis à ce moment franchement, je dis le rêve ça serait d'avoir un truc comme ça. Mais non, ça serait pas raisonnable. Les enfants ils peuvent le conduire, on peut mettre le pied. Non, les enfants ils peuvent pas le conduire. Tu crois mais. Non, il est beau en tout cas. Bon, on s'est renseigné pour le buggy là, celui dans lequel Masma s'est monté. Mais je crois que c'est d'occasion, je sais pas, parce que c'est papy qui parlait avec lui, moi je comprenais pas bien, voire je comprenais rien du tout. Il a dit c'était 45 000 dirhams, ça fait à peu près 4 500 euros, un peu moins, 4 200 euros avec le taux de change actuel. Donc je m'attendais à plus. Il a dit c'est le dédouanement qui est cher. Attention Masma, ne te fais pas écraser. Donc voilà. On rentre à la maison les amis, regardez qui c'est qui nous attend. Ah Zouina, la baisse. Oui. Qu'est-ce que tu fais? J'ai joué avec un chien. T'as joué avec un chien? Un petit chien. Et il est où? Là il est parti manger. Ah, le chien a des propriétaires de la résidence? Non. Non. Pas la résidence, quelqu'un là, juste à côté. Eh bien un voisin dans la résidence. Oui. Bah c'est bien. Il est très gentil le petit chien. Oh, c'est bien. Bon allez on arrive. Et tu sais je l'ai aussi porté. Tu l'as porté? Oui. Oh. Il m'a même pas griffé. Comme quand elle va travailler, elle va faire vétérinaire, elle va travailler avec les animaux. Salut. Plus tard. Ouais, elle va faire vétérinaire, elle aime trop les animaux. Allez, non, sors-toi de là, je vais t'écraser sinon. Allez. Je peux passer par là. Bon les amis, nous on va regarder le match de l'Europa League, la finale avec Papy. FC Séville contre l'AS Roma. Et voilà, mamie elle est en train de préparer le repas. Asma, elle dort encore, elle se repose. Oui. Et voilà.
On a acheté les œufs, mais Mas, regardez ce qu'elle a fait, la grande bêtise. Elle a cassé un œuf. On lui a dit, fais attention, mais t'as cassé. Alors tu vas faire des lignes. Je ne casserai plus les œufs de papy. Mais j'ai même pas. Il était pas comme ça, papy. Il était pas content, papy. J'ai même pas mis le pied. Va voir papy, tu dis excuse-moi pour l'œuf. Je rigole, je rigole, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais, toi? Les œufs à la coque. Les œufs à la coque. Les œufs à la coque. Non, pas les œufs à la coque. Oh. Mais ça fait il y a longtemps. Ça fait longtemps que t'as pas mangé les œufs à la coque, hein? Ça fait il y a mille ans. De papa. Hé, attention. On a acheté ça, les amis, pour l'appartement. Pour pas vous boucher les éviers. C'est mamie qui nous a fait penser à ça. Elle m'a dit, hey, bébé, il faut que tu achètes ça. Les filles sont en train de manger. Elles mangent avant nous parce que demain il y a l'école. Nous avons l'école toute la journée demain, le jeudi. Et voilà, hein. Et après, elles vont aller au lit. Bon, les amis, ce matin, on est parti avec papy et maman. On est parti pour acheter des choses pour la maison. Pour l'appartement, pardon. Et on a acheté ça, Super Mamie. C'est pour qui? C'est pour Mamie. Super Mamie, il y a écrit dessus. Là, regarde. Super Mamie? Oui, en jaune, là, il y a écrit Super Mamie. C'est une Super Mamie? Et oui, c'est une Super Mamie. Et on va lui offrir ça, d'accord? Allez, c'est parti. Attendez, doucement. Attendez. Ah, elle est là. Coucou, Mamie, on a une surprise. Les filles, elles ont une surprise. Merci beaucoup, ma chérie. T'as vu? Regarde ce qu'il est écrit. Oui, Super Mamie. Super Mamie. C'est comme ça. Mamie, elle le connaît parce qu'on l'avait vu hier. Oui. Et comme on est retourné aujourd'hui, Mamie, elle n'était pas avec nous, elle reste à la maison. Oui. J'ai dit, allez, on va le lui prendre. Merci. Pour le faire plaisir. Et voilà. Bon, allez, les filles, maintenant, c'est le lit. Oh, dodo. D'accord? Je me suis pas brossé les dents. Allez, va te brosser les dents, ma chérie. Et au dodo, allez, Mas aussi, tu te brosses les dents au dodo. Allez, let's go. Eh oui. Et voilà, les amis. Bon, sur ce, nous, on va se laisser. On vous fait de gros bisous. Et on se dit à très bientôt. On se brosse les dents. Allez, arrête de perdre du temps. Elle perd toujours du temps comme ça. Le soir, elle veut pas aller au lit. Et le matin, elle dit quoi? Comme quelqu'un qui a fait une sieste de 10 minutes. Quoi? Mais non, ce matin, elle a fait comme ça. Elle a dit quoi? Elle a dit, mais c'est très vite comme ça, là, moi. Hein? Non, j'ai dit quoi, déjà? Déjà? Ben oui, comme si elle avait dormi. Alors, dépêche-toi. Mais ça a passé trop vite. Oui, mais par contre, le soir, tu veux pas aller au lit vite. Donc, voilà. Bon, allez, les amis, on vous fait de gros bisous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah. Allez, bye bye.